Bonsoir Alexandre Astier. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir aux côtés d'Eddie Mitchell à l'occasion de la sortie DVD Blu-ray VOD du film Kaamelott. Il y a encore un truc qui est collé. Inspiré de la série, ce film, vous en rêviez depuis quoi? 15 ans? Depuis le début, en fait. J'avais toujours pensé que le format s'élargirait et puis qu'on irait là. Bon, ça a pris un peu de temps. Oui. Mais la patience est un plat qui se mange sans sauce, n'est-ce pas? Paraît-il. Un film qui est quand même sorti dans l'espace, à bord de l'ISS. Absolument. Ah oui, je jure que c'est normal. Oui, mais alors, on me l'a demandé gentiment. Allez lui refuser quelque chose à Thomas Pesquet, c'est difficile. Ah oui, ouais. Et en combien de temps il a été livré? Non, il est parti avec? Comment ça s'est passé? Non, il est parti avec la série. Le film, il a fallu faire passer par un tout petit tuyau, parce que, grande surprise, le tuyau entre nous et l'ISS n'est pas si gros que ça, en fait. Ils n'ont pas un Internet de ouf, donc c'est parti, mais ce n'est pas parti très vite. Et il a dû le voir sur une petite machine comme ça. Ouais. Mais il a aimé? Je sais pas, j'ai loupé son coup de fil. Ah oui. Je peux raconter un truc qui m'énerve. Ouais. Quand je reçois sur mon téléphone un numéro que je connais pas, je réponds pas, comme à mon avis beaucoup d'entre nous, parce que c'est souvent des machins de téléphone, de trucs, de... Voilà. Donc je réponds pas, bah, c'était lui de l'ISS. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre Ninet. Pardon, je t'ai coupé l'absolu. Ah non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est affreux. Donc, ça se trouve, il m'a appelé aussi moi. Vous avez un message? Non, c'était des démarchages. Ah, il laisse des messages. Bon, il aura un rôle dans le prochain volet. C'est rageant, c'est juste rageant. Mais donc, il se fait une séance dans l'espace. Alors, comment c'est comme ça, ça... Je sais pas trop, il a fallu traduire. Qu'est-ce qu'il fait à part ça, ce garçon? Il a fait que ça. C'est lui qui l'a vu 200 fois, il a dit des mots. Non, il a fallu le traduire, parce que ses camarades, évidemment... Il a donc imposé le film à ses camarades. Ah bah oui, c'est séance collective. Hein. Absolument. Ah. Et Eddie n'aura pas un rôle dans le deuxième volet? Ah mais moi, si on me demande poliment, il n'y a aucun problème. Eh bien, je vous demande poliment. Avec grand plaisir. Je veux bien un petit pourcentage là-dessus, parce que... Bon, d'accord. Que je ne fais pas les jouvencelles, je ne sais pas faire... Non, mais on trouvera quelque chose de très adapté. Ah, pas de jouvencelles. Juste un mot sur l'origine de cette série. En gros, vous disiez, mais on ne raconte jamais le quotidien de Ben-Hur. Par exemple, on ne voit jamais Charlton Heston faire ses courses. Aller sur le marché. Donc c'est en gros ça, c'est le quotidien des héros que vous vouliez raconter. On prend de sa douche, mais voilà. Oui, mais c'est marrant parce que ça part pas tellement d'un sentiment de vouloir faire rire, c'est plutôt que le péplum, ou en tout cas le grand film d'aventure, qu'il soit moderne ou pas, il a quand même une espèce de façon de traiter les humains qui est complètement inexistante. Déconnecté, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se comprend, déjà. Moi, je ne sais pas vous, moi, je n'ai jamais connu une circonstance où tout le monde se comprend, surtout en équipe, en tout cas comme ça. Mmh. Le Graal, c'est quelque chose d'absolument indescriptible. Et pourtant, tout le monde part comme ça, c'est bon, on y va. Non, pourquoi vous y allez? Où? Chercher quoi? C'est pas ce que c'est. Donc, je pense plutôt rétablir un truc plutôt que de mettre un coup de pied. Un peu de réalité, quoi. Absolument. Quoi qu'il arrive à notre... je remets les mots dans l'ordre. Bienvenue, quoi qu'il arrive à notre table qui n'est pas ronde. Ah oui, bienvenue. Tout ça pour ça. Hein. Bienvenue. Et surtout qu'en général, nos dîners sont quand même bien plus sages que les vôtres. Ouais. Parce qu'on vous voit apprendre à Christian Clavier comment bien lancer un verre à la tronche d'autres convives. Ah oui? Merde! Il y a un truc auquel je tiens, mais c'est pour moi. C'est que tu armes avant et que le merde soit après. Ok. D'accord, ok. J'ai fait tout ce film pour ça. Je voudrais l'avoir tel que je l'ai rêvé. Pas de problème. Merde! C'est pas celui-là que je voulais. Ça, tu voulais? C'est... Merde! Et après, tu jettes. D'accord, ok. Merde! C'est bien, ça. C'est bien, je suis content. Vous l'avez tué, hein? Non, mais c'est ce que je préfère dans ce métier. C'est ce que je préfère dans ce métier, c'est les petites choses. Le merde après, pas avant, la truc, ouais. La machine. Et quand on parle à Clavier, on peut toujours douze prises, alors. Ouais, mais surtout que Clavier, c'est trouve très émouvant, en fait, de le voir répondre à mes conneries, parce que il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et pourtant, il cherche, il le fait, il trouve la bonne note, le bon truc, la bonne partition, et on le fait. Moi, j'adore ça. On va longuement parler de Kaamelott, mais bienvenue donc autour de la table de Stéphane Paroche, chef étoilé de la table de Castillon à Signan, dans l'Hérault. Ça s'appelle une allitération, non? Pas du tout. des anchois ce soir, cher chef. Oui, les anchois, ça aurait pu peut-être être à la table ronde des chevaliers. Absolument. Voilà. Donc un choix demi-sel, à peine cuit, donc on l'a cuit juste au sel, et on vous fait voyager un petit peu
Mon métier m'a permis de pouvoir voyager. Donc c'était bien, avec un houmous au curcuma. Mmh. Et on a fait un bouillon d'hachi, mais crémé. Ce qui est absolument généreux. Voilà. C'est délicieux. Je vous invite à plonger dedans. Plus c'est beau. Dans votre film, on retrouve la famille Astier, vos parents, vos frères, vos enfants. C'est parce que c'est une grande famille ou bien c'est pour les voir plus souvent? Alors déjà, j'avais jamais fait cette émission et on répond donc la bouche pleine. Oui. C'est un peu prévu dans le... Exactement. Dans le... Voilà. C'est ce que j'aime dans ce métier. Ça, c'est très bien. En fait, je suis très... c'est excellent. Je suis très, très sensible au fait de les inviter à une entreprise familiale. À leur montrer... Je n'envisagerais pas de rentrer chez moi en ayant vécu ce que j'ai vécu, avec les équipes que j'ai, avec les acteurs qui sont sur le plateau, avec tous ces gens-là qui sont des gens très précis, le monde du cinéma, c'est quand même un truc dingue quand on ne connaît pas. Je ne m'imagine pas rentrer chez moi sans qu'ils connaissent ça. Je veux qu'ils viennent, je veux qu'ils fassent, mais pas en visiteur, je veux qu'ils bossent. Après, s'ils ne veulent pas faire ça, ils font ce qu'ils veulent. On retrouve aussi, pas que votre famille, on retrouve les personnages de la série, Christian, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Audrey Fleureau. Et puis il y a des guests, Guillaume Gallienne de la Comédie Française, Clovis Cornillac, acteur lyonnais, ou encore Sting, acteur britannique. That was the last shot of Sting on camera. C'était très sympa, mais c'était difficile parce que vous avez des remarquables acteurs français qui vous balancent leurs répliques, donc il fallait que je sois très réactif. Mais le personnage ne parle pas très bien le français, donc il me convenait parfaitement. En tout cas, on aime bien votre manière de, comme vous l'avez fait avec Clavier, de jouer avant le comédien un peu à la Lelouch, de leur montrer ce que vous voulez exactement. J'essaye pas trop. Parce que normalement, il ne faut pas qu'on copie les choses. Il vaut mieux trouver les bons mots pour inspirer. Mais c'est vrai que j'aime bien demander des choses musicales, en fait. Donc du coup, forcément, des fois je les dis, des fois je les envoie. Parce que voilà, un objet posé, puis une réplique, puis un objet, puis un geste, puis un truc. J'aime bien ça, donc de temps en temps, je vais avec eux. Puis je joue avec eux. Ce n'est pas pareil que d'être sur un fauteuil et puis de leur dire quoi faire.